Salut bah, Jérôme. Tu vas aussi vite sur la piste que tu arrives comme ça. Bah ouais, tu vas voir. Ah ouais. Donc, allez, vas-y. Hop là. Alors, une course, plusieurs véhicules au choix. On choisit et tu m'as pris mes deux véhicules. Et je ça, choisis. C'est hors de question. Et je choisis, tiens. Abandon du défi. Bah rendez-vous sur la piste. On se parle plus. Si si, rendez-vous sur la piste, on va se parler. T'inquiète pas. On se parle plus. On se parle plus. Bah pourquoi tu me suis? Mais en fait, je préfère. Allez, pourquoi tu me suis, wesh? Après sa chambre en éclat. Oh, ça va, il était correct. Il était moyen de gamme. Ça glisse, il y a de la voiture, on y va. Salut à tous, aujourd'hui, dernier défi Mazda avec l'ambassadeur Franck Lagorce. Ton coéquipier s'appelle comment? Didier, ça fait, je peux t'appeler Didier? Ouais. Ok. J'ai pris des huskies qui sont pas des gros bosseurs. Ils sont jolis, esthétiquement, mais pas des gros bosseurs parce qu'il va pas falloir des chiens qui mettent de la puissance. C'est maintenant que vous vous asseyez, et ça c'est un manque de respect total par rapport à ce qu'on avait prévu ensemble. On s'était parlé pendant 10 à 20 minutes que vous faisiez ça, et voilà. Alors attendez, non, c'est presque ça, mais c'est pas totalement ça que je voulais. Non non non, alors attends, c'est là-bas, mais c'est là-bas. Non mais on peut en parler longtemps, on peut en parler longtemps. On avait convenu d'une victoire et des croquettes à l'arrivée. Alors là les mecs, ça va pas le faire. Attends, joyeux anniversaire. Merci. Joyeux. Ouais, c'est moi qui suis en train de gagner, je te le dis direct. Je vais pas le faire. Mais... non. Tu manges comme les chiens de traîneau. Mais je te le dis, t'es pas champion. Oh putain, Non, tu restes ici, tu finis. Non, moi je mange proprement. Au moins, finis ton assiette. Tu finis ton assiette. Allez. Franck, reviens Franck. Tu reviens là. Caméra, merde. Mais non, mais... Ok, on la refait.